Bonsoir, madame, monsieur, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous verrons le top 5 des pays n'ayant pas connu la colonisation. Vous savez que la colonisation est définie comme l'occupation, l'exploitation et la mise en tutelle d'un territoire sous-développé et sous-peuplé par des ressortissants d'une métropole. Et pour n'avoir pas été colonisés, les historiens expliquent en général la résistance de ces pays par la force de leurs États, leur diplomatie, leur politique insolationniste et peut-être leur situation géographique. Et quels sont ces pays justement? Tenez-vous bien, puisque la France, les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne et même la Chine ne figurent pas sur cette liste des top 5 pays n'ayant pas été colonisés. Les États-Unis d'Amérique sont connus pour être première puissance économique mondiale et pour être en tête de liste sur plusieurs fiches. Mais ici, non, il n'y a pas question, puisque vers les années 1600, sa colonisation débuta. Et on parle de la colonisation espagnole, de la colonisation britannique, la colonisation hollandaise et aussi de la colonisation française. La colonisation française, et bien sûr, vous savez que la France est réputée pour être la deuxième puissance coloniale au monde. Elle a colonisé plusieurs pays dans le monde et en Afrique surtout. Vers le milieu du XXe siècle, elle a elle aussi connu une colonisation. Et pendant 4 bonnes années, l'Allemagne l'a colonisée de 1940 à 1944. Ce qui confirme ce dicton qui dit « Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il transforme sa force en droit et l'obéissance en un devoir. » Et donc, notre top 5 des pays n'ayant pas été colonisés, c'est ici et maintenant. Le Japon, le Libéria, la Corée du Nord et la Corée du Sud, la Thaïlande également n'ont pas connu une colonisation comme on peut l'imaginer en fait. L'histoire raconte que la Corée et le Libéria ont aussi connu dans une certaine mesure, une sorte d'envahissement, même pas une colonisation caractérisée par la torture, l'esclavage, etc. Nous espérons, madame, monsieur, que ce numéro vous a plu. Restez connectés sur nos différentes plateformes digitales pour ne rien rater de nos prochaines productions. À toutes.